Wesh la mif, c'est votre gonasse au Bercy de Hamza. C'est toujours des histoires. J'ai failli casser la caméra, purée. Wesh la mif, aujourd'hui, mercredi 22 décembre, on est à Paris. Wesh la mif, aujourd'hui mercredi 22 novembre on est à Paris. On est à Paris principalement pour une raison, le concert de Hamza, le Bercy de Hamza, la Corana, 20 000 personnes qui se retrouvent pour un si petit homme, c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui vas-y, on va faire shopping, on va faire des trucs, on a 2-3 rendez-vous, tout ça. T'inquiète pas, de toute façon je te prends avec moi partout, je suis actuellement avec... Moi je suis accompagnée de mon frère que vous avez vu, revu dans le vlog des Ardentes qui est dispo encore juste ici. Noé, mon petit frère, même si on dirait pas du tout que c'est mon petit frère, mais c'est mon petit frère. Et mon cousin, Jade. Jade que vous avez encore jamais rencontré, mais vous allez voir, il est vraiment très très drôle parce que de toute façon, il y a que des gens drôles avec moi. Aujourd'hui, ça va être cool, on a un programme surchargé. Comme d'hab, on va courir partout. Comme d'hab, on va être en retard partout, mais on n'espère pas être en retard partout. Aujourd'hui, on va faire du shopping, on va aller visiter parce que, ah oui, Jade n'est jamais venue à Paris. En 2 jours là, on a vraiment 48 heures à Paris, donc on va essayer de lui montrer un maximum. En gros, installe-toi confortablement au chaud parce qu'ici, il fait moins 12 dehors. Donc voilà, aujourd'hui let's go, on va faire du shopping. J'ai failli casser la caméra, purée. Allez, let's go. Ah, on doit aller direction Montmartre. Non, non. Salut. Mais ça va? T'as quoi à dire pour commencer cette journée? Je suis le cousin préféré à Inès. Oh. Vu qu'il y en a 1 milliard de cousins, je peux pas m'avancer sur ce sujet, mais si t'étais mon cousin préféré, tu verrais dans mes yeux si c'est vrai ou pas. Leave me out of comments, leave me out of nonsense. Speaking out of context, people need some content. Niggas trying to keep up, shit is not a contest. Whipping bands concept, heaven sent. Bon, nos chemins se quittent pour une petite heure. Vas-y, à tout à l'heure Inès. J'ai mon rendez-vous pour aller faire les stress dentaires. Et moi, je suis en solo, c'est-à-dire moi, la personne la plus indécise de toute cette ville. Je vais devoir décider toute seule ce que je fais de mes dents. Purée, je sais pas, en fait, moi je vais à un rendez-vous, je sais pas ce que je vais faire. Voilà, j'ai fini mon set, il est trop beau, regarde. Ça brille de partout, genre vraiment ça brille de partout. T'es là ? Ah non, on peut sourire. Maintenant, je vais marcher dans la rue comme ça. Ça a pris beaucoup plus de temps de prévu, genre ça a pris 1h15, en mode je pensais que ça allait prendre 40 minutes. La go elle est trop chou, genre vraiment c'était trop trop bien. Maintenant je vais essayer de retrouver Noé et Jade à base de localisation en direct sur WhatsApp. Je sens que ça va être complexe. Autant Noé que moi on est éclatés pour retrouver des endroits, des trucs et tout. Je crois on est genre à 10 minutes à pied l'un de l'autre. Là normalement, au prochain croisement de rue Nono, oh je te vois. C'était bien ? C'est discret mais c'est trop style. C'est trop joli ouais. Ça brille partout. Yes! Bon, du coup, là, on est direction Opéra. On est direction les Galeries Lafayette. En même temps, on va lui montrer des spots parce qu'on le répète, Jade, il est jamais venu à Paname. Donc là, on commence notre session shopping. Et en même temps, on sait pas trop où on va finir. Enfin, vous connaissez, mais c'est trop bien parce que du coup, on peut grave se promener. Il fait bon. Il y a le soleil. Hey. Hey. Niggas ain't got respect. Niggas just got it stuck. I put that top left. I love my cardi to death. I bring his little ex. If you don't say it direct, give a fuck. Yo, yo. I put some ice on her hand. I let her take an advance. She wasn't going as planned. I put a shit in the pan. She got a move with a friend. Her, she went back to the man. Give a fuck. I just put a wagon in the driveway. You know I did. When I shoot my shot, it's the whole wild way it's going in. Me and Lil Sicko sitting sideways, breaking tens. Used to be an antisocial nigga, now I'm making friends. I just got a mansion out in Turks and it's a beachfront. But she bringing 4 friends, I know I hit at least one. Got them all tended by the pool in a grease look. Voilà, mif. On a vraiment rien trouvé. En fait, on n'est pas trop dans le mood shopping. Moi, là, j'ai faim. Eux, ils commencent à se battre. Donc là, ça sent la faim, là. Du coup, on va aller se poser, manger. J'arrive plus à réfléchir, en fait. J'ai trop faim. Est-ce que t'es dans le mood aujourd'hui, Inès? Bah oui, mais j'ai faim. Mais pourquoi t'as pas mangé? J'aime pas faire du shopping avec des gens qui m'attendent. Ça me stresse. T'as l'impression qu'on t'attend? Bah oui. Je sais pas, j'ai faim, là. Je suis fatiguée. Ça va? Ça va, et toi? Ça va, tranquille. Tu le connais? Non. Bah là, je disais juste, je me plaignais un petit peu parce que j'avais trop faim et j'expliquais que j'aime pas faire du shopping, ça peut être des gens qui m'attendent. Tu vois le sentiment, genre peut-être tu t'es dans ton magasin et t'as genre ton frère ou je sais pas qui, d'un coup ils sont là à l'entrée et ils attendent sur toi. Ouais, il faut être carré. Voilà. Toi, tu vas où là? Je vais aller manger.
T'étais au travail? Ouais. Tu fais quoi? Je bosse dans une boîte qui fait de la publicité pour les aéroports. Oh wow, tout ça? Ouais. T'as pas des prix sur les billets d'avion? Non. Ah, c'était bizarre comme moment. Bonjour. Bon, là, on est actuellement posé à mon italien préféré de tout Montorgueil, de tout Paris. Donc lui, là, il vient de demander au serveur s'il avait un Hawaï. Bah, pourquoi pas? Mais frère, on n'est pas au bled. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un Hawaï, c'est vraiment la boisson du bled. La boisson marocaine, genre. Nono, lui aussi, il est fatigué. Mais moi, ça fait un mois, je suis malade. Oh, toujours il a un truc. T'as toujours un truc. Mais c'est malgré moi. Que quelqu'un me vienne en aide. Je sais pas si vous avez des petits frères, mais là j'ai l'impression d'un coup j'ai deux petits frères, frère, je dois tout décider. Imagine. Je suis là, ils attendent sur moi pour savoir où on va, ce qu'on fait, ce qu'on mange. Vous voyez pourquoi je vous dis que je me plume? Il a one job, c'est de servir un morceau de pizza. Elle est là. Bon appétit. Jade, c'est mon sang. La veine. De la veine. Ah ok, j'avais pas capté. T'as capté maintenant ou pas? Oui. Ok. De la veine. Bon, sans transition, là je suis changée, je suis prête à sortir au concert. Mais je vais pas trop vous abandonner. Je me suis dit, je peux pas partir sans leur raconter tout ce qui vient de se passer. On a fait du shopping, après on s'est posé, enfin bref, le temps il est passé méga vite. On a été voir le coucher de soleil au bord de la Seine. Paris en mode coucher de soleil, c'est vraiment le meilleur Paris. Hein. C'est trop beau. C'était trop beau, après au final on était encore dans un dernier magasin. Et là, je vous avais dit, la journée shopping elle était compliquée. Mais par hasard dans le dernier magasin, c'est là où on a tout trouvé. Ça veut dire qu'on a passé grave du temps là-bas et tout. C'est pour ça qu'il faut jamais abandonner. C'est pour ça les journées shopping, il faut forcer jusqu'au bout. Parce que tu sais que tu vas trouver quelque chose. Donc on a tout trouvé là-bas. Et là en fait on n'avait pas vu l'heure. Et il y a qui nous a rejoint? Mon grand frère. Il y a Alex qui nous a rejoint, qu'on voit aussi dans le vlog des Ardentes. Donc au bout d'un moment, à cette heure-ci, si t'as pas vu le vlog des Ardentes, du coup, on a rejoint Alex, on l'a pris comme ça sur la route, parce que lui il fait l'aller-retour juste pour le concert, vraiment, il t'a fait aujourd'hui et tout. On l'a pris comme ça sur la route, on est rentré, on s'est changé vite fait, douché, truc et tout, maquillé. La tête elle change, hein. La tête elle change de ce matin, merci au maquillage. Ça brille partout. J'ai cassé un truc du Airbnb. Pourquoi je suis comme ça? Toute ma vie je suis maladroite, frère. Donc là en fait je t'explique, j'ai fait un setup juste pour pouvoir vous parler, tu vois, tranquillement. J'ai tout cassé, regarde. La caméra elle était posée là. Et en fait du coup moi mes pieds, genre vas-y, je les avais posés sur la barre. Mais la barre, elle est tombée la barre. Oh, j'ai tout cassé. Voilà, on va faire comme ça. Hein. Pourquoi je suis comme ça, frère? Bref, vas-y, c'est pas grave. Hein. On va aller chercher un truc à grailler vite fait et on va voir Hamza. Là, on s'apprête à aller voir le Bercy de Hamza. La sauce, elle monte un peu et tout. Donc moi, je suis trop contente. Tu vois, je commence à crier et tout. Je suis trop contente. Il est actuellement 19h19. Il faut qu'on soit là-bas à la première partie à la 20h. Donc on est en retard déjà. Donc là, on va s'habiller, mettre veste, mettre truc et on va aller re-rejoindre chercher à grailler. Je suis trop contente. Est-ce que vous en avez marre que je sois tout le temps en retard et que du coup à chaque fois on est dans le stress? Est-ce que je vous stresse quand je suis en retard? Je pense que je dois vous stresser quand je suis en retard comme ça, frère. La go elle est chiante, elle stresse tout le monde. Voilà, with my big hoodie. Ça m'a fait du bien d'avoir 5 minutes sans ces garçons là qui se tapent dessus et qui se crient dessus tout le temps là. Je vous aime très fort, hein, je les aime très fort, je les aime de tout mon cœur. Mais on souffle hein. Tu sais quand t'es surexcité et que t'arrives pas à contenir, genre là j'ai envie de courir partout. Les gens ils doivent me prendre pour une tarée malade, ils voient une meuf parler toute seule à une caméra en train de courir et crier partout. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. It's Nas TV. Abonne-toi à ma chaîne. On va voir Hamza, hein. Hamza, pour tous ceux qui me connaissent ici, savent que Hamza c'est mon top 3 et c'est pas le troisième. Maintenant, je te laisse avec tout ça. Là on est carré hors parce que vous connaissez votre go.
On était obligés. Ah, j'ai trop hâte. Ah, j'ai trop hâte. Bon, moi j'ai une question. Vous pensez qu'il y a combien de rebeux au mètre carré à son concert? Là, les gars, si vous vouliez choper une rebeu bien douce, bien sucrée comme moi, mais qui n'est pas déjà prise, c'était ce soir en fait. On va passer à la sécu là. Merde, je mets où la citronnelle? Je mets où la citronnelle? Mais non. Attends, mais moi je sais pas où j'ai mis mon billet en fait. Vous êtes pas prêts, hein? On est vraiment pas prêts là de rentrer dans une salle de 20 000 personnes. On passe dans la vidéo. C'est comment? Ça vient d'où? Le concert du Big H, ça vient de Genève, tu connais? Si, si. Mais là, ma gueule. Bon concert, les gars. Merci à vous. Ciao. On va même pas encore parler là. On va même pas encore débrief. On doit juste chercher Noé et Jade. Ça a été Inès. Toi, ça a été? Ouais, de ouf. C'est lourd. Moi, on apprend tous les jours. Quoi. Ok, débrief. Déjà, toi, Inès, qu'est-ce que t'en as pensé de cet album, de ce concert? C'était trop la style. Genre, vraiment, déjà, on était tellement bien placés. J'étais avec Alex, Noé et Jade, on se voyait comme ça, à face, à face. Hamza, il a quand même un flow de ricain, genre il est trop frais dans ses flows, genre moi j'aime trop. Et surtout, ce qui m'a fait trop plaisir, c'est qu'il a fait grave des sons de ses anciens albums. Et pour moi, le prime de Hamza, c'est quand même sur 1994, tout ça quoi. Non bref, sinon c'était trop bien, franchement ça a duré 2 heures, c'était trop style, c'est passé trop vite, les lumières, les guests. Bref, c'était vraiment trop style, genre moi sur 10, je mets masterclass sur 10. Et il a ramené Aya. Il a ramené Aya Nakamura. Trop fraîche, elle vraiment tout le temps, ses arrivées, tout ça. Moi je pensais pas qu'elle allait venir Aya. Le gazo était en feu. Puis SCH, le S. Comment ils vont les champions? Ça fait minuit 13. T'as pensé quoi du concert? Aujourd'hui c'était lourd, hein. Non, non, c'était carré. Ah ok. Bon, j'étais pas prêt. On va là, tu le fais, Alex. Là on est back dans la zone. Inès. Là c'est ma zone, ça c'est ta zone, tu restes dans ta zone. Viens, mettez Inès, Jade. Inès. Quoi? Je vais faire un câlin à Inès. Inès, faut pas croire, hein, ça c'est du faux amour. C'est parce qu'il veut aller à la Tour Eiffel. Jade, on est sorti du Bercy. Il a dit on va à la Tour Eiffel en vélo. Bah oui. Bah non. Bah oui. Il a envie d'essayer. Trois, hein. Donc là on fait un loup. Non, non. Jade, pourquoi t'es encore torse nu? On part dans 2 minutes. Merci. Bon la mif, on est le deuxième matin. Tout le monde est arrivé de Hamza, tout le monde a très bien dormi, a très peu dormi. Donc là le matin c'est le stress pour rendre le Airbnb. Mais la journée ne fait que commencer. On va aller boire un petit café, faire un maximum de shopping et être en retard pour notre train parce que c'est exactement ce qui va se passer. C'était trop bien, on a vu Hamza, c'est trop la style en fait. Je suis prête, je suis réveillée. Vous avez vu, je suis prêt à 10h pile. Ah ouais. Vous m'avez dit que je serais pas prêt. Jado. Ok, let's go! A toutes! J'aime quand ça du hip, tout mettre du faux, donc il faut mettre des barrages. Je prépare la fusée, bientôt tu me verras même plus dans les pages. Pas de Ferrari, j'investis dans sa pull-up dans la Skoda.
putain de le gars. Ce mandat des yogos, ça nous a débat. T'as comme un boss. Quand je suis avec tous mes homies là, on redevient comme des gosses. C'est trop tard pour les rappels, dommage pour toi, mais maintenant c'est mort. J'suis dans la cuisine, je prépare un festin de malade. Tu parles de mon bar. Qu'est-ce que t'as trouvé, Inès? Sean Wotherspoon, ça fait un an, il tisse ses putains de chaussures. Elle est trop déter. Elles sont tellement belles. Trop... Premier achat, il t'a plus de place à ma table. J'ai pas le bleu de la bite, fais pas le moine. Le sourire angélique, mais on recode ta tête. Beaucoup t'aimes bien. Bon, l'équipe, là on était à Kiss. C'est toi Théodore. On a fait les premiers achats de la journée, on est tous trop style. Là on est direction Supreme, The Supreme Shop. Après normalement on va au Bape, on verra. Pour le moment il est midi et quart. Non, c'est quelle heure? 13h? Il est 13h15 genre. On a le train à 16h18. J'aime quand ça dure, tout me tifle donc il faut mettre des parages. Je prépare la fusée, bientôt tu me verras même plus dans les parages. Supreme. J'en vais sud dans sa pull up dans la Skoda. Putain de le gars, ce mandat des yogos, ça nous a débat. T'as comme un boss. Bon, la mif là, on a fait plein d'achats, on a couru partout, on a marché partout. Et en fait depuis ce matin on a rien mangé. On s'est arrêté à un truc de sushi où on va manger des udon, des trucs et tout. Et puis voilà quoi, tranquille, tranquille. Ils m'ont abandonné avec toutes les valises. C'est une dinguerie là, le train il est en retard, donc ça veut dire que on a réussi à être à l'heure. En tout cas là pour le moment on est à l'heure dans le hall où il faut qu'on soit. Et on attend le train. Normalement, ouais. À 31 minutes, on se fait rembourser. Donc, quitte à avoir 30 minutes de retard, autant avoir 31 minutes de retard et être remboursé. Bye bye Paris! Qu'est-ce que t'as à dire sur ce voyage? Frère, c'est toujours des histoires, des dingueries, des péripéties tous ensemble. Ouais. Quoi? Non, rien. Bon la mif, j'étais complètement dépassée par ma vie, j'ai carrément oublié de vous dire au revoir. Le train il a eu du retard avant même d'arriver. Après même pendant le trajet, le train il s'est arrêté sur les voies, nanana. En tout on a eu 5 heures de trajet. Après vas-y j'étais blasée, je pouvais plus me les voir tous. Ça y est, ciao, je peux plus vous voir. Je voulais rentrer, après je me suis endormie direct. Ça veut dire que j'ai même pas pu vous dire au revoir. J'espère que vous avez kiffé ces vlogs à Paris. Tu sais déjà, abonne-toi pour toutes les prochaines aventures parce que ça ne fait que commencer. Active la cloche, partage. C'était Naz TV. Nous, on se dit à tout bientôt pour les prochaines aventures. Ciao !